Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe, et oui. Et donc là aujourd'hui c'est pour la correction de ce petit quiz concours que vous avez fait, que je vous avais proposé. Et du coup on découvrira notre petit gagnant. Donc déjà on va commencer cette petite correction, et oui, pour pas que vous disiez bah oui mais c'est bien mais je me rappelle plus trop des questions. Donc du coup on va y aller, et d'ailleurs on va commencer par la question 1. Donc la question 1, hop, on y va. La question 1, c'était simple. Question numéro 1, quelle est la sentinelle qui permet d'être invisible? Donc vous aviez le choix entre Carrier, vous aviez le choix... Ah merde, merde, petit bug. Vous aviez le choix entre Carrier, Wyrm, Shade et Deathcube. Et effectivement, c'est bien Shade. Et oui, Shade nous permet d'être invisible lors des combats dans les parties. Voilà. Donc ça, c'était pour la question numéro 1. La question numéro 2, on y va. Quel boss se permet de se déplacer sur une planète aléatoire? Vous aviez le choix entre Vor, Forid, Lekkryl ou Sargasruk, et même François Hollande. Mais bon, on l'enlève François Hollande. Et bien sûr, c'était Forid. Donc c'était la réponse numéro 2. On passe sur la question numéro 3. La question numéro 3 qui était très simple. Sur quelle planète se trouve Ambulas? Et Ambulas, vous aviez le choix entre Pluton, Neptune... Saturne, Jupiter ou Krypton? Krypton pour Superman, yeah. Donc évidemment, c'était Pluton. La question, la réponse numéro 1. On passe sur la quatrième question. Et la quatrième question, c'était qui est le père du Lotus et que veut-il faire? Donc déjà, le père de Lotus, c'est la réponse numéro 1. Alors vous aviez le choix entre 1, 2, 3, 4, 5. Enfin voilà, boire un coup, ça à mon avis, c'était pas possible. Mais du coup... Pour la première réponse, qui est le père du Lotus, c'est bien Hun Ho. Hun Ho, yeah, Hun Ho. Donc ce n'était pas Nata, c'était pas autre chose. Hein. Et que veut-il faire? Eh ben, lui, il veut pas boire un coup ou sauver les Ténos. Effectivement, il veut tuer les Ténos. Donc les réponses, c'était la réponse 1 et la réponse 3. Voilà. Alors... Ensuite, sur la question numéro... Merde, alors attendez, un petit bug encore. Numéro 5, hop. La question numéro 5, c'est simple. Qui est Nata? Eh ben Nata, c'est né... Alors, vous avez le choix entre la soeur du Lotus, le Lotus, la mère du Lotus, ou une pub pour les dessous de bras. Et oui, référence à Narta. Et non, et donc, du coup, c'était bien la réponse numéro 2. C'est le Lotus. Voilà. On va passer à la question numéro 6. Question numéro 6... Où se trouve Vor Corrompu? Eh bien, Vor Corrompu, c'est pas compliqué, parce qu'il n'était pas sur Mercure, puisque, évidemment, c'était un petit peu, je voulais, pour certains, les aiguiller sur ça. Effectivement, on trouve Vor en tant que boss sur Mercure, mais ce n'était pas ça. Ce n'était encore moins dans le néant en T3, et encore moins dans le Lisette. Effectivement, c'était la réponse numéro 3, dans le néant en T4. La question numéro 7, Que peut-on trouver sur la Lune? Eh ben c'est simple, vous aviez le choix entre des sentients, des modes cachés, des Transformers, aucun des trois. Donc déjà sur la Lune, on peut trouver des sentients, ça c'est sûr. Et vous pouviez également trouver des modes cachés, référence un peu aux modes qu'on peut avoir en faisant soit les salles de run ou les choses comme ça. Voilà. Allez, question numéro 8. Qui est sur le point d'être tué par Alad V? Donc ça fait référence au trailer qui était passé avec Alad V justement, et Zanuka d'ailleurs, c'était son arrivée sur le jeu. Donc vous aviez le choix entre Mag, Excalibur avec le casque Pendragon, Frost et Tilregor. Alors déjà, la réponse numéro 2, ça ne serait pas possible, puisque effectivement Excalibur avec le casque Pendragon, on le voit, mais il se fait couper dans tous les sens. C'est l'une des premières images qu'on voit de ce trailer. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description pour ceux qui ne l'avaient pas vu et qui ne savaient pas trop la réponse. Ce n'est pas Frost et ce n'est pas Tilregor. C'était effectivement Mag. Donc bravo à ceux qui ont bien répondu. Parce que c'est vrai que ce trailer était assez long. Enfin assez long, il y a longtemps qu'il est sorti. Donc effectivement, on ne pouvait pas forcément se rappeler. Mais bon voilà, il y en a eu beaucoup qui ont quand même bien répondu. Allez, on passe à la question numéro 9. Question numéro 9 qui est... De quoi est composé Zanuka?
Donc vous avez le choix entre la 1 donc de Warframe, la 2 de Greener, la 3 de Corpus ou de plantes hallucinogènes. Et du coup, c'était la numéro 1 de Warframe. On passe à la dernière question, la question numéro 10. Et donc, dans la question numéro 10, c'était « Quel boss pouvons-nous trouver en Arkwings ?» Eh ben, c'est simple. Alors, vous avez le choix entre le golem Jordas, le mastodonte, Vaiheck et François Hollande. Encore une fois, et François, il est chaud, François. Oui, oui. Donc, du coup, c'était bien évidemment la réponse numéro 1, le golem Jordas. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite correction de ce petit quiz. Donc, du coup, la correction réelle, la composition des réponses, c'était 3, 2, 1. Ensuite, 1 plus 3. Ensuite, vous aviez 2, 3. 1 plus 2. Et ensuite, 1, 1, 1. Voilà, ça, c'était les bonnes réponses qu'il fallait proposer pour ce petit quiz, qui était relativement facile, qui n'était pas non plus très compliqué. C'est vrai qu'il était abordable pour tout le monde. Donc et bien écoutez, moi j'ai sélectionné les gens. Et donc on se retrouve sur le petit concours. Et oui, donc sur le petit concours, sur le tirage au sort. Je suis un peu perdu. Et donc bah, du coup, vous voyez tous les pseudos qui sont là. Et oui, de ceux qui ont dit les bonnes réponses. Je vois Grédarion, je vois Frenzy, je vois Berserker, je vois Cédric de la Milieure. J'en vois plein, hein. Il y a Rastai, Minipede, Mister Minipede. Désolé, excuse-moi. Voilà, vous êtes nombreux à avoir réussi ce petit quiz sans problème. Il y a Vauban du 6-9 qui est là, d'ailleurs dédicace à toi. J'ai Cloud, une personne de mon clan. J'ai Zoma, et pareil aussi, excusez-moi, un petit bug. Zutarion, enfin voilà, vous avez été nombreux. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va tirer au sort dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti, tiré au sort, clac. Et du coup, c'est Yann Caro qui gagne 1500 platines. Bravo à toi, Yann Caro, tu viens de remporter cette somme. Enfin, cette somme. Ces platines, voilà, pour ce petit quiz concours. Donc, bien écoute, n'hésite pas à venir me voir sur PC rapidement pour récupérer tes gains, qui sont légitimes. Et puis ben voilà, hein, fais en bon usage, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire là-dessus. Enfin, tu en fais ce que tu veux d'ailleurs, hein, tu peux. Enfin voilà. Donc bien écoutez, sinon merci à tous aussi d'avoir apprécié ce quiz concours. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mails pour me dire que c'était super, qu'il fallait que j'en refasse d'autres. Et c'était mon objectif, je voulais voir un petit peu si ce premier quiz concours allait fonctionner. Il a plutôt pas mal fonctionné. Sincèrement, c'était vraiment top. Merci à vous aussi de votre soutien. Je remercie ma communauté, parce que franchement, même si elle n'est pas non plus immense, c'est pas une communauté d'un million de personnes, mais déjà, moi, ça me suffit, parce que voilà, vous êtes la plupart, vous êtes tous gentils avec moi. Vous m'envoyez des petits messages, des petits mails sympathiques, et voilà, ça me fait toujours sourire, toujours plaisir. Voilà, donc eh bien écoutez, désolé pour ceux qui ont perdu, hein, vous gagnerez sûrement la prochaine fois, comme je vous le dis tout le temps, à chaque concours. J'en vois un déjà qui va râler parce qu'il a pas gagné, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, comme on dit, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Donc voilà, donc bien écoutez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à bientôt, c'était KCX, ciao.